On va faire un schéma. Un rectangle. A, B, C, D. On va poser AD égale X, comme dans le coup de pouce. On sait que AB est égal à 9 moins AD. Donc AB est égal à 9 moins X. 9 moins X. Bien. Alors là, le ABCD est égal à qui? Longueur fois largeur, 9 moins x fois x. Et il demande déterminer les dimensions, autrement dit x, et du coup 9 moins x, pour lesquelles cet r est supérieur ou égal à 15. C'est bien sûr une inéquation qu'on va résoudre pour l'instant de façon graphique, parce que la résolution exacte, c'est de classe de première. On va noter le membre de gauche par f de x. Le membre de droite, on peut noter g de x. Donc, la fonction f de x est égale à ça. Développé, ça fait 9x moins x carré. Et la fonction g de x à droite égale à 15. F de x est une fonction de second degré. G de x égale 15, une fonction affine constante. Et on va résoudre cette inéquation par la méthode graphique, en représentant ces deux fonctions grâce à GeoGebra. On voit bien que la partie de la parabole qui est au-dessus de la droite horizontale est pour x compris entre 2,5 et 6,5.